Madame Pinville, je suis très heureux de vous accueillir au pôle mobilité du bassin d'emploi du Havre, société coopérative d'intérêt collectif, et vous avez eu l'honneur d'être un agent facilitateur de notre développement, puisque vous nous avez remis le label pôle territorial de coopération économique en début d'année, puisque nous sommes un des 14 projets que vos services ont retenu. Ce qui permet de voir où sont les difficultés, où vous avez des difficultés, qui permet à Romé de retravailler après, et puis qui vous entraîne, et vous voyez vos performances aussi. Et c'est un travail sur la fracture numérique en parallèle. Sur le numérique, l'accès Internet, Et ça aide beaucoup. Franchement, ouais. Ça aide beaucoup. Oui. Donc chacun a un micro, a un ordinateur, a une et se connecte et tout ça. Sont même sur tablette. Maintenant, on est chez Rousseau et Rousseau effectivement a une possibilité. Un élément important parce que du coup on mixe des publics, on a à la fois des amoureux de la bagnole, vous voyez une petite mini collection là-haut qui est comme ça et qui appartient probablement à un adhérent, donc des anciens garagistes, et puis les jeunes qui étaient en train de faire la vidange au fil de la cage d'escalier, et puis que Alcéane qui est le PHLM du coin dit bah non les gars, arrêtez de nous laisser machin, allez au garage, et donc on crée des synergies, ces gens-là se croisent, se donnent des coups de main. Et puis pour nous, c'est un vivier important aussi pour ensuite recruter, pour qu'ils viennent dans l'entreprise d'insertion. Donc, il y a des échanges qui se font comme ça. Dans les 14 PTCE, enfin pôles territoriaux de coopération économique, vous avez été sélectionné par rapport à plus d'une centaine de projets. Donc ça veut dire aussi tout ce que comportait ce projet. Donc, bravo à vous, à la dynamique de tous sur ce territoire. Mais je crois que je suis venue aussi là pour le souligner. Voilà. Alors effectivement, la Cité Mobilité est un projet que l'on a accompagné dès le départ au titre de la ville du Havre et de la mission locale dont je suis présidente. C'est vrai que Jean-François Sanson est venu très tôt nous expliquer l'intérêt à la fois de se positionner sur la question de la mobilité, notamment pour les demandes de personnes qui sont en recherche d'emploi ou les personnes qui sont atteintes de handicap, et aussi la nécessité de fédérer autour du projet l'ensemble des partenaires. Et eu égard à son dynamisme, sa force de conviction et à l'objet même de son projet, il nous a paru essentiel que la ville du Havre, la mission locale, soit partenaire et accompagne cette très belle initiative. Aujourd'hui, pour quelles raisons vous êtes? Alors, je suis d'abord venue au Havre parce que c'est le mois de l'économie sociale et solidaire, donc c'était la première raison. Ensuite, je suis venue voir rencontrer des petits commerçants parce que il y a aussi quelques difficultés avec le commerce de proximité. Mais là, ce matin, avec ce que je viens de voir, ce pôle de mobilité, j'avoue que je suis séduite vraiment parce que ce pôle de mobilité, dans ce qu'il a construit, il répond au besoin de nos concitoyens.